Six, c'est quoi? Ya sita ni nini? Sagesse intellectuelle. La sagesse pour l'homme. Hekima au busara. Et l'intelligence pour la femme. Na akili kwa mwanamke. C'est différent. Ni vitu viwili tofauti. La Bible dit, Biblia inasema, ayez de la sagesse envers dans vos rapports avec vos femmes. Eti iweni na hekima katika mahusiano yenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama vile kuishi mwenye kuwa na kiumbe kizaifu. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Mwaheshimu kama vile warizi pamoja wa neema ya mbinguni. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Muishi hivyo ili kusiwe jambo litakalo zuiza maombi yenu. 1 Pierre 3:5. Petro ya kwanza 5:7. Petro ya kwanza 3:7. Uishi na mke. Vie avec la femme. Na uko na busara. Avec sagesse. Ya kutokuwa na jilinganisha na eke munataka zienda ke muko ego. De ne pas te comparer à elle sachant que vous kijua kama ni chombo kizaifu. Sachant que c'est une faible. Wewe unakuwa na sagesse. Wewe unakuwa na hekima. Ya kumuvumilia mubimoya. De la supporter dans certaines choses. Usipofanya hivi. Si tu ne fais pas ainsi. Maombi yako itakuwa bloke. Tes prières seront bloquées. Oui, oui. Amen, amen. Kuko watu habawezi omba bajibiwe selo faso bana traité ba bibi yako. Il y a les gens qui ne peuvent pas prier et être exaucés de la, à cause de la façon dont ils traitent leur femme. Unaenda na bakia iko na kulaani. Part, elle reste en train de te utabarikiwa. Hakuna. Comment tu seras béni? Never, never. Impossible. Sagesse ni nini? Qu'est-ce qu'est la sagesse? Comme si tu ne les as pas vus. Et ce dont tu as vu que ça pourrait amener des problèmes, tu commences à prendre des mesures bien avant. Ukitaka fuatilia mwanamuke kukila kitu. Si tu veux poursuivre la femme sur chaque chose. Muta divorce. Vous allez divorcer. Muta achana. Ça c'est vrai. Ukitaka kupata mwanamuke kila kitu kusiwe kauzaifu. Si tu veux poursuivre la femme sur chaque chose et que tu ne trouves pas de faiblesse. Fanya basi byake. Bon, tu peux faire ce qu'elle fait. Fanya kazi zake. Fais son travail. Uko mtu mwenye alishaka bakia na batoto 3 jours na bibi ko voyage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bipima? Avez-vous essayé cela? Rester avec les enfants pendant 3 jours la femme. Uko mtu mwenye alishaka bakia kunyumba 3 jours à l'absence ya mama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait 3 jours à la maison avec les enfants à l'absence des mamans? Bilishanifikia. Moi ça m'est arrivé. Nikamwambia. Et je lui avais dit. Ukienda na mimi naenda. Si tu pars moi aussi je pars. Ça c'est vrai. Tunawangoja kwa vitu vingi na vyenye hawawezi. Nous nous attendons sur elles sur beaucoup de choses même celles dont elles ne peuvent pas être capables de faire. Ah oui oui. Na matashe za mwanamuke ya kutizupati hatuziwezi. Tuwa tunaitika baenzetu. Banafanya vienye hatuwezi. Et les tâches des femmes, si on nous les confie, nous ne pouvons pas nous en sortir. Elles font ce que nous ne pouvons pas. Oui, oui. Akutege tu. Essaie juste de te piéger. Akwambi, et qu'elle te dise. Pendant que niko nasonga, pendant que je serai en train de balancer, toi tu peux juste arranger les lits. Na kishu mwambi. Et que tu lui dises. Utanikote. Tu vas à mes côtés. Utakutana dra. Tu vas rencontrer les draps. Yenye nakuwa kauku. Qui s'est fait dans ce. Weye ulishusha. Toi tu l'as ramené en bas. Utakutana oreye. Tu dois rencontrer l'oreiller. Kwenye nakuwa kaiko pa. Là où il se trouve, ce n'est pas là où tu l'as mise. Na nikutandika. Et c'est juste arranger les lits. Le lit seulement. Na nikutandika. Ndio. Kuivisha chakula frère. Chakula kuivisha. Préparez la nourriture jusqu'à ce que tunaikimbilia kuitia mkinywa. Vous vous précipitez pour mettre ça dans la bouche. Na tunakuwa prêt kuikritiquer. Hamuna chumvi. Haiko butamu. Pour le critiquer, ce n'est pas bon. Pikayo. Prépare cette. Na mtoto iko na koyola pale. Enfant est en train d'uriner là. Na mwingine anajinyambia pale. Et l'autre fait kakula. Na mwingine analilia hivi. Et l'autre crie là en dehors. Na bageni banapiga hodi. Et le visiteur frappe à la porte. Na mbuzi ya voisin.
Et la chèvre du voisin vient manger les choux. Amen. Hawa ni watu wakubwa sana. Ce sont des grandes personnes. Affirmatif. Matache zao. Leur tâche. Zinawafanya kuwa wazaifu. Les rendent comme faibles. Lakini ni watu walio na nguvu sana. Mais ce sont des personnes qui sont très fortes. Na bana tuambia tukiwa trouble. Et on nous dit si on les trouble. Maombi hayajibiwe. Oui, oui. Nos prières ne seront jamais exaucées. 1 Pierre 3:7. Petro kwanza 3, 7. Tuko obligé à kubatraiter bien pour que ma requête zetu zipate solution. Nous sommes obligés de bien les traiter pour que nos requêtes trouvent des réponses. Donc tunaitwa kutoba kuazikia kwa kila kitu. Nous sommes appelés de ne pas nous achoper contre elle sur chaque chose. Ili yenye nasiye tuko tunaombea Mungu asibibloke. Pour que les choses dont nous sommes en train de prier que Dieu ne puisse pas bloquer nos réponses. Mara na mara nikikutana mutu mwiko na mab blocage mubiake première question mina mulizaka na mwambiaka est-ce que uko en ordre na bibi yako. Et des fois quand je rencontre quelqu'un qui a des problèmes de blocage dans ses affaires, la première question que je lui pose, est-ce que tu es en paix avec ta femme? Nanzaka muliza. Je commence par wende ou traiter tout avec ta femme. Va d'abord tout traiter avec ton épouse. Mubi régler. Bien régler vos affaires. Nieba wili mukuye. Et que vous deux vous veniez. Niombe. Que puis-je na mina yo kama vous deux. Sachant que vous deux munasema lumoya. Vous êtes en train de parler. Ukikuwa na kimbilia mu maombi na uko na bibi mwenye iko na nuna nuna. Si tu te précipites dans les prières pendant que tu as la femme qui nuit. Na yonekane ni wewe njo wa makosa. Et qu'on trouve que c'est toi qui es le fautif. Wala ulikosa busara malgré uzaifu wake. Ou bien tu as manqué la sagesse malgré sa faiblesse. Ah, oui, wana oui. Funga robinet. On bloque les robinets pour toi. Yo siri hatuijua kesi. Amen. Ce secret là souvent on l'oublie. Ne pensez pas que je suis en train de vous défendre pour que vous alliez troubler les maris. Parce que la Bible nasema mwanamke mubaya ni cancer ya mumifupa. Parce que la Bible aussi dit que une mauvaise femme c'est le cancer des os. Hakuna kwa kujiseparer naye mpaka mkaburi. Amen. Il n'y a pas le lieu où se séparer avec ce cancer, c'est jusque dans la tombe. Ah oui oui. Amen. Hein? Amen. Amen.